Le chariot, ils ont dit aux rennes, c'est trop lourd, alors on va vous mettre un petit chariot plus léger. Ils ont perdu les pièces, donc ils ne trouvaient plus les pièces. Donc là j'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené avec un ULM, mais alors le pire de tout, si tu savais, ça c'est le problème. Le pire de tout, c'est qu'ils ont perdu ma hotte, ah mince, et ma hotte, sans la hotte, je ne peux pas amener les jouets pour vous enfoncer. Attends, les lutins, ouais, farceurs, ouais, ils ont changé ton traîneau. Ils ont modifié le traîneau, ils ont perdu les pièces. Et ils ont perdu les pièces, c'est pour ça que t'as pas pu. Oh là là. Et heureusement qu'il y avait un copain qui t'a amené en ULM. Si j'avais pas eu un copain qui... Alors il s'est pas volé en plus, mais je suis un peu magicien, alors je lui ai montré un peu, il s'est déroulé. Je sais pas où il est allé se poser, mais bon, ça se passe bien. Tu le retrouves après alors? Je vais le retrouver. Voilà, distribué à plein de gens. Tu veux distribuer des indices aussi pendant que tu... Voilà les indices. Et si jamais tu trouves des gens qui en ont pas, tu leur en donnes. Monsieur Lumière, alors on vient de voir cette arrivée extraordinaire du Père Noël. C'est magnifique. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, tout d'abord, je veux m'excuser. Je vais garder le masque hein, parce que je suis un peu encombré. Je voudrais pas vous faire un cadeau avant les fêtes de fin d'année. C'est gentil à vous. Voilà. Oui, je crois que c'est une première. Hein, le Père Noël qui atterrit en parachute. Et on est très heureux d'avoir cette première acclarée. Je sais pas. Je crois que ses rennes étaient un peu fatiguées. Donc, il est arrivé par les airs. Et ça nous fait énormément plaisir. Alors par contre, je crois qu'il a perdu la hotte des cadeaux et que les enfants de Claret vont devoir l'aider à la chercher au travers d'un jeu de piste. D'accord, donc jeu de piste, beaucoup d'exposants, le Père Noël qui arrive, c'est un marché de Noël assez extraordinaire. Et puis après, en plus, je pense qu'il y a des surprises vers 17h. Oui, tout à fait. Ben, comme je vous l'avais dit un peu le premier jour du calendrier de l'Avent, avec l'ensemble du conseil municipal, on a voulu que cette année Noël soit vraiment magique. Et donc, le point d'orgue, c'est un peu ce marché, avec effectivement beaucoup d'exposants, beaucoup de commerçants, des jeux, la participation du tissu associatif. Et ce soir, l'arrivée du Père Noël, là maintenant, et ce soir, en point d'orgue, oui, effectivement, il y aura une surprise, je peux vous dévoiler un peu, puisqu'il y aura un feu d'artifice. Alors ça fait du bien dans cette période, c'est ce que vous dites, hein. Ça fait du bien dans cette période d'un peu du festif, du simple, on souffle quoi. Oui, eh ben c'était un peu la volonté du conseil municipal. Oublier le quotidien qui est un peu morose et se retrouver pour des bons moments, pour des moments conviviaux. On voit les enfants là qui courent, qui sont heureux, ils voient arriver le Père Noël. Le Père Noël nous a fait un magnifique roulé-boulé. Le temps d'un week-end, le temps des fêtes de fin d'année, on oublie un petit peu les tracasseries du quotidien et on se retrouve. Et ce lien social, il est très important, surtout dans nos communes rurales.
Oui, et puis à Claret, on sent qu'il y a tout vraiment pour cette cohésion du village. Quoi. Ben, on essaie de tout mettre en œuvre. Alors ça passe par un tissu associatif très riche. Il y a une forte implication de la municipalité, mais les commerçants aussi jouent le jeu. Et donc ça crée une cohésion et bon, je crois que ça fait du bien. Ben, joyeux Noël alors. Ben, merci bien, puis moi je risque plus rien pour les fêtes de Noël, je serai immunisé.